Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Le 13 mars dernier, l'Église catholique, par le vote des cardinaux, se choisissait un nouveau pape, le 266e de l'Église, en remplacement de Benoît XVI, qui s'appelait Joseph Ratzinger. À 76 ans, le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio devenait chef de l'Église catholique et mettait fin à ce court conclave après 5 votations. Surprise pour les uns, déception pour les autres. J'en discute avec l'évêque du diocèse d'Amos, Mgr Gilles Lemay. Mgr Lemay, bonsoir. Bonsoir. Mgr Lemay, je sais qu'on en avait parlé un peu. Moi, je tenais beaucoup à refaire une autre émission avec vous après la nomination du nouveau pape. On s'entend sur ça que si le conclave avait duré comme déjà une dizaine d'années ou quelque chose du genre, peut-être qu'on aurait remis l'émission au calendre grec, mais seulement que ce ne fut pas le cas. Non, heureusement. Lorsque le cardinal Bergoglio a été choisi le 266e pape de l'Église catholique, est-ce que c'est une surprise, une déception? Comment avez-vous vu cette nomination, vous? C'est une surprise, oui, parce que Il n'était pas parmi les papabilis là, que tous les experts ou que les vaticanistes là, il y en avait 4 ou 5 environ, parlaient constamment. Oui. Mais moi, là-dessus, j'ai toujours dit, je l'ai dit à beaucoup de médias, le Seigneur va nous faire une surprise. Mais laquelle, on ne le savait pas, là. Hein? Mais c'était pour moi une très heureuse surprise. Ah oui? Très heureuse surprise, oui. Parce que... d'abord, le fait que ça soit un latino, aussi, un argentin. Le premier pape, moi j'ai été latine, 15 ans au Paraguay, le pays voisin. Ah, ben oui. Pays voisin vrai, de l'Argentine. Oui. Je suis allé en Argentine et à Buenos Aires plusieurs fois. Et donc, moi, j'ai une partie de mon cœur qui est restée en Amérique latine. Puis le fait que ça soit un latino, pour moi, ça m'a séduit, dynamisé, enthousiasmé. Et quand il est après ça, quand on a su le choix de son nom, François, ben ça aussi, ça disait déjà, sans qu'il ait parlé, ça disait déjà beaucoup de sa personnalité. Oui, parce qu'on disait que c'était en l'honneur de François Bernardone, qui a vécu au 12e siècle, ou environ, je pense, qui avait décidé de se consacrer à Dame Pauvreté à ce moment-là. Oui, alors là, le grand saint qui est Saint-François d'Assise. Oui, c'est ça, c'est qui ça. Était Saint-François d'Assise. Oui. Le saint des pauvres, si oui, on peut appeler ça. Exactement. Donc, on voyait déjà une espèce de cheminement de ce nouveau pape. Absolument. Le saint des pauvres, puis celui à qui le Seigneur a demandé hein, de relever son Église. Le saint François d'Assise a fait l'histoire dans un temps où l'Église avait besoin de renouveau. Alors, Saint-François d'Assise a apporté ce renouveau-là à l'Église. Et il a fait tellement sa marque qu'il y a eu beaucoup de disciples qui l'ont suivi, puis il y a beaucoup de branches de religieuses, de communautés religieuses qui sont inspirées de Saint-François d'Assise. On m'a dit que c'est le saint qui a le plus de fils et filles spirituels par les communautés religieuses qui ont pris ce nom-là d'une façon ou de l'autre. OK. Donc, pour vous, ça a été une belle surprise. Oui. Si on parlait, Monseigneur, très brièvement quand même, mais peut-être une déception de ne pas avoir vu Monseigneur Ouellette, qui lui était papabilé, oui. Lui. Oui. Est-ce que oui. C'était un peu une déception? Bien, c'est-à-dire que moi, j'aurais été très content que le cardinal Ouellette soit pape. J'étais proche, d'abord, je suis très proche de lui,
celui qui m'ordonne évêque, moi. Ah oui, aussi, oui. Oui, okay. Celui qui m'ordonne évêque, okay. Le 10, dans une semaine, le 10 avril, ça fera 8 ans. Ça va être okay. En 2005. L'émission passe le 10 avril. Bon, le jour des mêmes. En tout cas, en 2005, le 10 avril, c'est lui qui m'a ordonné évêque pour être son auxiliaire, donc évêque auxiliaire à Québec. Nous étions deux. L'autre s'appelle Pierre-André Fournier, qui est originaire de Plessisville, dans les Bois-Francs, et qui actuellement est archevêque de Rimouski. OK. Alors, puis ce qui est particulier aussi pour notre ordination, c'est qu'on a été élus dans le laps de temps où il n'y avait pas de pape. En 2005, en 2005, Jean-Paul II est né. Je m'excuse, il est décédé. Oui. Il est né à la vie éternelle. Oui, il va être ça. Je trouve ça de même, Monseigneur, parfait. il est décédé le 2 avril, et puis les funérailles ont eu lieu le 8 avril. OK. Et nous autres, notre ordination, elle était fixée au 10. Ça faisait déjà plus d'un mois que la date était fixée. Tout était préparé, le banquet, enfin, et tout, la liturgie. Et puis, on avait déterminé que ça ne pouvait pas se déplacer, la date. Alors, quand le cardinal est parti pour Rome, le 3 avril au matin, il nous a dit, à nous deux, « Je vais tout faire pour revenir, mais ça va me prendre une permission du président là, des cardinaux. Et puis, si je peux, je reviendrai. » Quand on a su que le funérailles avait lieu le vendredi, ben on s'est dit, on a des chances. De fait, c'est ce qui s'est passé. Okay. Le samedi, il a voyagé, il est arrivé à Québec en fin de soirée, en début de soirée, samedi soir. Le dimanche, il a présidé nos ordinations à Saint-Anne-de-Beaupré. Et le lendemain, il repartait pour le conclave. Donc? Oui, donc, j'aurais aimé ça. Puis je pense à sa famille aussi, à la mode. Mm-hmm. J'ai rencontré sa mère à quelques reprises. Qui est venue encore à 92 ans, je pense. Elle aura 91 le mois qui vient. OK, elle aura 91. Donc, si on fait un résumé rapide, Monseigneur, c'est une surprise pour vous et une heureuse surprise d'avoir un pape d'Amérique latine et une déception un peu sur l'autre côté que ce ne soit pas Monseigneur Ouellet qui a été élu pape. Si on fait un peu là, les rétrospectives, c'est un peu ça. Exactement. Monseigneur, on disait que Benoît XVI, à 78 ans, était un pape de transition. Alors, je pense, et vous me corrigerez si je suis dans l'erreur, on pensait un peu tout le monde que le nouveau pape serait peut-être dans la fin de la soixantaine ou 70 ans environ, dans l'espoir, et on parle toujours dans le sens qu'on ne connaît pas l'avenir, dans l'espoir qu'il pourrait durer une quinzaine d'années environ, parce qu'on parle toujours de santé, à 85 ans, parce que c'est lourd à être en charge de l'Église catholique, ça demande beaucoup. Donc, ça prend une bonne santé. À 85 ans, on voit qu'on fléchit un peu. Est-ce que la nomination du pape François à 76 ans, est-ce qu'il redevient lui aussi un pape de transition? Ouais, ça, l'avenir va le dire, là. Moi, je dirais, ma conviction, c'est que l'élection du pape, là, c'est pas d'abord une question humaine et politique. La charge du pape, c'est une charge d'abord spirituelle. Et c'est le Seigneur qui conduit son Église par l'Esprit-Saint. Ça, Benoît XVI l'a dit, puis l'actuel pape François le redit de toutes sortes de façons. Et si c'est le plan de Dieu que ça soit comme ça, je me dis, on chemine avec lui. D'ailleurs, quand est apparu au balcon après son élection, après avoir salué les fidèles qui étaient là, puis les catholiques de Rome, parce qu'il est d'abord l'évêque de Rome. Oui, c'est vrai. C'est étonnant. Ça, on l'oublie tout le temps, mais c'est vrai, oui. Mais c'est le premier aspect. C'est parce qu'il est l'évêque de Rome qu'il est le pape. Il est d'abord l'évêque de Rome. Et si on relit, qu'on revise sur vidéo ou qu'on relit ce qui a été dit, ce que lui-même a dit, le cardinal Bergoglio, récemment élu, en aucun temps, il a parlé de pape.
je suis votre nouvel évêque. Il dit, mes confrères évêques avaient la tâche d'élire le nouvel évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre. Puis, il a parlé aux gens de Rome comme ses fidèles, comme ses diocésains et diocésaines. Ça, c'est vrai ce que vous venez de dire. Mais c'est une chose qu'on semble oublier. Oui, c'est vrai qu'on oublie ça. Et le fait que lui insiste là-dessus aussi, pour moi, là, moi j'ai pris ça aussi, ça, ça fait partie aussi des heureuses nouvelles, comme de quoi ce cardinal-là a intégré le Concile Vatican II. Ça, c'est vraiment les termes du Concile Vatican II. Ah, OK. Le pape, il est d'abord l'évêque de Rome. Il est celui qui, comme évêque de Rome, a la responsabilité de faire l'unité, de voir à la charité, à l'unité avec ses autres confrères évêques. Il est comme le président des évêques. Okay. Mais c'est dans cette ligne-là. Monseigneur, je voudrais juste revenir, juste pour une question sur Monseigneur Ouellet. Moi, j'ai frais à la mémoire, le lendemain ou le surlendemain, dans une entrevue avec Paul Larocque du réseau TVA, moi, il me semblait que Monseigneur Ouellet avait l'air d'un homme soulagé et heureux de ne pas avoir été élu. Est-ce que c'est votre perception aussi? Oui, c'est ma perception. C'est ma perception. Le cardinal Ouellet, c'est un homme de foi. C'est un grand théologien, mais c'est un homme qui a une belle spiritualité, un homme de foi, un homme de prière. C'est un homme qui a le souci de faire la volonté de Dieu, de vivre l'Évangile. Mais il n'est pas homme pour rien. S'il avait été élu par ses confrères, je pense qu'il l'aurait accepté. Mais pour lui, ça aurait été un immense renoncement. Parce que, puis d'ailleurs, je pense que dans une entrevue, il l'a dit, il aurait perdu sa liberté. Le pape, ah oui, là, n'a plus aucune liberté. Il ne peut même pas aller aux toilettes sans permission. Quand on pense à ça un peu, là, tu es constamment surveillé. Il faut que constamment, tu te soumettes... Bien garde du corps. Oui, c'est ça, à toutes les exigences de sécurité. Hein? Bon, le cardinal Bergoglio, l'actuel pape François... Il va avoir de la misère. Oui, oui. C'est... Parce qu'il restait dans son petit loyer, il faisait ses propres repas, etc. On voit que cet homme-là a une liberté intérieure, a des convictions. Hein? Des convictions de communication, de relations. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il embrasse les invalides, les handicapés, les enfants, les malades, parce que ça fait partie de ce qu'il a fait depuis qu'il est cardinal à Buenos Aires, hein, comme oui, vous venez de dire. Mmh. Il avait renoncé à vivre dans le palais épiscopal, pour vivre dans un logement, dans un appartement oui, très simple. Ça. Lui-même faisait sa nourriture. Oui. Il se déplaçait à pied ou en métro. Exactement, c'est ça. Ouais. Fait que ça va être un petit peu un changement assez majeur, franchement. Oui, c'est un changement très majeur. Ouais. Monseigneur, est-ce qu'on peut dire par cette nomination-là que l'Église catholique montre une volonté de s'ouvrir davantage au monde? Oui, je le crois. D'abord, c'est le premier pape qui est, américain, qui est sud-américain, Donc, c'est le premier pape sud-américain. C'est le premier jésuite aussi. Oui, exactement. Et puis, c'est le premier non-européen depuis 731, depuis le pape Innocent III. Le pape Innocent III qui n'était pas européen, il était de Syrie, si ma mémoire ne me fait pas défaut. C'était un Syrien qui a été élu aussi le 13 mars en 731. Une heureuse coïncidence. Hein? Oui, hein? Alors, c'est depuis ce temps-là que c'est un non-européen. Et donc, oui, c'est une ouverture. Jésuite aussi, c'est la première fois. C'est ça, exactement. Oui. Mm-hmm. Et on sait comment l'Amérique latine et le continent où il y a le plus de catholiques c'est au monde. C'est le plus catholique au monde, exactement. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est le peuple qui se sentait le plus délaissé?
aussi? Là, je ne pourrais pas dire. Est-ce que c'est plus eux que les Oui, Africains? là, c'est parce qu'il y a quand même quelques peuples qui se sentent délaissés par l'Église. Et puis, on peut parler d'Africains, justement, là, Parce que on pourrait. les derniers papes que je sache, on voyait quand même qu'ils avaient une attention réelle pour l'Amérique latine. OK. Benoît XVI y est allé, Jean-Paul II y est Oui. allé en visite, puis souvent dans leur prise de parole, ils parlaient, je dirais, de façon très positive là, Exactement. de l'impact que l'Amérique latine avait sur l'ensemble de l'Église. Monseigneur, qu'est-ce que le pape François peut apporter de plus à l'Église? Une Église peut-être plus ouverte, une Église plus permissive. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Bien, déjà, comme on dit, là, son nom a étonné. Deuxièmement, sa simplicité et son humilité. Son humilité, le geste qu'il a posé sur le balcon à sa première apparition publique, avant de bénir les La foule qui fidèles, était puis la là. foule qui était là. Alors, il leur a dit, je vous demande de prier pour moi, de prier pour moi. Puis il le dit à deux reprises pour que le Seigneur me bénisse. Que Et Dieu non me. pas, je vais prier pour vous. C'est ça. Et puis là, il s'est incliné très profondément, puis longuement. Il y a eu un silence, là, vraiment très Et il y respectueux, avait 100 000 fervent. personnes au-dessus, là. Oui. Et après ça, il a béni. Ensuite de ça, il y a un autre geste qu'il a posé, le Jeudi Saint. Le Jeudi Saint, il est allé dans une Oui, laver prison les pieds, de oui. mineurs, où il a lavé les pieds. C'est des mineurs dans cette prison-là, donc du 13 à 21 ans, c'est parce que je crois qu'en Italie, la majorité est encore à 21 ans. Et puis, parmi les 12, il y avait deux filles. Ah oui, Oui. ça Deux je filles ne parmi savais les pas, OK. 12, puis une en plus de ça qui est même pas qui est musulmane. Oh, Ça OK. aussi, c'est une ouverture nouvelle. C'est vraiment, c'est des gestes comme ça que déjà il a posé d'ouverture qui sont pleins d'espérance. Qui sont vraiment, vraiment pleins d'espérance. Est-ce qu'on peut appeler le pape François le pape de l'espoir? Oui. De l'espoir puis du renouveau. Moi, je crois que la OK, même ouais. façon que François d'Assise, Saint François d'Assise a renouvelé l'Église au 12e siècle, je crois qu'il y a du renouveau qui était déjà commencé. Les derniers synodes sur la nouvelle évangélisation, le dernier, l'automne dernier, je dirais déjà traçaient la voie, le chemin pour. Je dirais une nouvelle façon d'agir en Église, se centrer davantage sur la personne du Christ, présenter, permettre à partir de l'Évangile de faire connaître Jésus, permettre aux gens de rencontrer la personne de Jésus, de découvrir qui il est, l'envoyé du Père pour nous montrer comment il nous aime, comment on est aimé, chacun personnellement et sans condition. Monseigneur, moi, il y a quelque chose entre les corps qui me chicote un peu, mais je pense que je ne suis pas le seul. Dans les premières fois qu'on a parlé du pape François, et entre autres, la journée de Pâques, il y a des journalistes, entre autres des commentateurs sur un réseau de chez nous, je parle de chez nous au Québec, qui a dit simplement comme ça, François a fait sa première homilie de Pâques. Là, François, il s'appelle François, oui. Quand on dit le pape François a fait sa première homilie, bravo, là on sait. Si ça avait été François Ier comme Benoît XVI, on n'aurait pas besoin de dire le pape Benoît XVI a fait telle chose. Lorsque l'on disait Benoît XVI, on savait que c'était le pape comme Jean XXIII, Pie XII, etc. On savait que c'était des papes. Là, c'est François a fait telle chose.
Moi, j'ai de la misère avec ça. Est-ce que je suis le seul à avoir de la misère avec ça? Il me semble que ça fait trop intime. Mm-hmm. C'est mon opinion, je ne sais pas. Ouais, ben, quelle est la vôtre sur ça? Vous y avez droit, c'est correct. Ben, moi, je pense, on ne dit pas François Ier parce que ce sera une redondance. C'est ça, exactement. C'est le premier qui s'appelle François. Oui. Évidemment, si dans un avenir... Peu importe les médias, ou moins, plus ou moins immédiat, il y en a un autre, ça sera François II. François là, on II, dira oui. le, ben, François oui. II Fran, ou François III. Mm. Bon. Alors, comme c'est pour ça que, pour éviter la redondance, donc, on dit François. Maintenant, ça appartient aux commentateurs ou aux journalistes ou aux nouvellistes à avoir, je dirais, là, suffisamment de respect pour avoir une nouvelle, justement, qui ne prête pas confusion. Oui, exactement. Ça nous situe tout de suite. C'est sûr que si on dit le pape François, ça nous situe tout de suite. Oui, exactement. Mais quand on parle de François, il y en a des François là, dans le monde. Oui, oui. On peut parler de François dans un ancien roi de France, oui. à ce moment-là, mais là, c'est on ça. Va trop loin là, dans le temps. Mais il reste quand même que... comme quand on parlait de Jean 23, c'est parce que des papes Jean, il en a eu 23. Est-ce c'est que ça, c'est 22 ça? Devant lui était okay, 23. C'est ça, OK. Oui, exactement. Comme Benoît XVI, il en avait eu 15 avant. Il en avait eu 15 avant. C'est ça. Bon. Monseigneur, j'aimerais juste revenir, si vous me permettez, dans le choix de Monseigneur Bergoglio. On revit un caractère historique. Avec ça. On a parlé un peu, mais j'aimerais revenir. Et du fait que ce soit historique, c'est parce qu'on parle d'un premier pape non européen, la première des choses. On parle d'un premier pape sud-américain aussi. Puis on parle d'un premier pape jésuite. Alors, c'est vraiment une première, c'est vraiment historique à ce moment-là. Mm-hmm. Oui, c'est historique. Et puis, ça indique que l'Église, elle va de l'avant. L'Église, elle va de l'avant. L'Église s'adapte à des nouvelles réalités. Quand les premiers papes étaient pratiquement tous des Européens, parce que, la force de l'Église, la concentration aussi des chrétiens était en Europe. Alors que, après toute la conquête qu'il y a eu au 16 et 17e siècle, okay. Bien, on sait comment les Espagnols sont allés en Amérique du Sud, les Portugais aussi, mais au Brésil, et ensuite de ça, les Français sont venus ici en Amérique du Nord, et puis les Anglais. Bon, toute cette période de conquête-là fait que, évidemment, le christianisme, avec l'évangélisation des missionnaires, s'est répandu par toute la terre. Puis d'ailleurs, c'est ce que Jésus a demandé. C'est vrai, oui. Aller par toutes les nations. Allez par toute la terre, faites des disciples. Mm-hmm. Hein? Okay. Annoncez l'Évangile, faites connaître cette bonne nouvelle de l'amour du Père, puis que moi, le Fils, je suis venu pour vous réconcilier avec le Père, je suis venu vous sauver, et puis maintenant baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, l'Église, elle s'est développée, elle est allée maintenant dans tous les continents, et puis... donc, on s'adapte à cette nouvelle réalité dans le choix du successeur de Saint-Pierre. Monseigneur, dites-moi une chose. Je sais que cette question-là, je l'avais déjà posée à Monseigneur Tremblay et je ne me souviens pas. Je m'excuse, mais je ne me souviens pas de sa réponse et j'aimerais vous la reposer aussi à vous. Lorsque l'on parle d'une bénédiction urbi orbi, c'est quoi exactement? Cette bénédiction-là, est-ce que ça n'arrive? Est-ce que juste le pape peut donner cette bénédiction-là? Oui. Oui, c'est une bénédiction solennelle et c'est une bénédiction aussi. Là, je ne suis pas un canoniste, j'aurais dû. Si j'avais su vous me poser la question, j'aurais le poser à notre canoniste. Mm-hmm. Mais je crois que c'est une bénédiction aussi qui est porteuse d'indulgence. Okay. D'une indulgence spéciale. Okay. Mm-hmm. Monseigneur, dans une de ses premières homilies, le nouveau pape François a appelé
à ouvrir l'horizon de l'espérance et à accueillir l'humanité avec tendresse. On voit tout de suite là, dans quelle direction on va aller ce nouveau cap. Ben oui, puis son cri, pour moi, c'est un cri du cœur quand il dit « N'ayez pas peur de la bonté, n'ayez pas peur de la tendresse. Soyez des personnes qui donnent la tendresse aux autres, qui démontrent cette tendresse-là. » Monseigneur, il y a une autre belle citation déjà du pape François, moi, qui m'a vraiment capté réellement. C'est lorsqu'il a dit « Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner, c'est nous qui nous fatiguons de lui demander pardon. » C'est assez profond. Oui, c'est très... Et c'est vrai. C'est très vrai. C'est très vrai. Puis Jésus avait mis beaucoup d'emphase sur cet aspect-là dans la parabole du père avec les deux fils, qu'on appelle la parabole de l'enfant prodigue. Mm-hmm. Hein? Le plus jeune des fils qui s'est en allé, qui a demandé à son père son héritage, puis qui s'en va au loin, qui gaspille tout, qui perd tout, et qui est sur le point de mourir de faim. Il a dit, il pense à tout ce qui se passe chez son père, il dit, même les ouvriers ont de quoi manger. Alors il dit, je vais retourner chez mon père, puis je vais lui dire, bien, je ne mérite même plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. Et il revient chez son père, et le père, tous les jours, il allait voir au balcon s'il arriverait pas son fils. Le père, de fait, l'a vu venir de loin, puis il a couru au-devant de lui. Alors, cette parabole-là, c'est une histoire que Jésus a inventée, mais c'est pour nous montrer que l'amour du Père, ça dépasse toutes nos catégories, nos habitudes, ce qu'on peut penser et imaginer. Ça ici, là, ben, une question que j'ai mise, mais on n'élaborera pas dessus beaucoup, c'est celle-ci, c'est que moi, j'ai vraiment trouvé très bas cette fameuse liste des 12 cardinaux là, qui est sortie comme étant des salopards. Je m'excuse, là, mais ça, c'est un coup bas à l'Église et aux cardinaux également. Ça n'aurait jamais dû exister, cette supposée liste. Vous avez bien raison. Vous avez tout à fait raison. C'est là qu'on voit que la haine, la rancœur, elle existe. Le mal existe dans le monde, puis les manifestations du mal n'ont pas de limite. Alors, comme l'amour de Dieu non plus, on n'a pas. Heureusement, l'amour de Dieu est plus fort. Il est plus fort. C'est le sens de Pâques. C'est le sens de la résurrection. Au moment où on enregistre l'émission, je n'ai pas trouvé, j'ai fait des recherches et je n'ai pas trouvé si Mgr Ouellet avait conservé ou conservera-t-il son poste un peu comme préfet des évêques. Est-ce que le pape François l'a déjà nommé à ce poste-là? Parce que là, toutes ces nominations-là devaient être faites par le nouveau pape. Ce qu'il a fait, le pape François, je crois que c'est le 3e ou 4e jour après son élection, là, il a dit qu'il reportait que tous les cardinaux étaient reconduits à leurs responsabilités, qu'ils se donnaient du temps, qu'ils se donnaient un temps de réflexion, de discernement, avant de procéder à de nouvelles nominations. Ah, OK. Alors donc, ça veut dire qu'il y a comme un statu quo en attendant. Monseigneur, merci infiniment. On connaît beaucoup plus le pape François grâce à vous, Monseigneur. Puis je vous remercie infiniment de vous être présenté à cette émission-là. Je l'ai dit, c'est toujours un grand honneur de vous recevoir dans nos studios. Merci, c'est une joie aussi pour moi. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une autre émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.